Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui présents pour cast le match entre Mewtwo et Diddy Kong. Diddy Kong qui. Mewtwo qui rate cette épée qui s'est fait finir directement par un up smash. Peut-être qu'il aurait peut-être pu trouver mieux, mais. Ah, la rolling qui sera punie. Le titre, la phase. Oh, l'air d'être qui n'est pas fini, quel dommage. Mewtwo quand même ingrable. Le Mewtwo. Mewtwo qui n'essaye de pas lâcher sa phase. Malheureusement qui s'est retrouvé en désavantage. Le TP qui. Le backer. Et parce que poursuivi, ça l'a joué safe, Si on finit la dash attack, c'était très bien vu de la part de Mewtwo. La dash attack qui sera pris directement par un grab. Un gros gros commit. Il ne s'en sort pas avec son TP, il est retp. Oh. Ok. Ça joue patient. Enfin, il y a des petits dash attacks par-ci par-là. Ça va enlever Xbox. Concrètement, le mot attendre, ils ne connaissent pas eux, ils veulent se taper dessus. C'est comme ça que... Encore une fois, la dash attack qui est plus en arrière. C'est gros, le gros de nerf tue vers le haut, le spike qui tue vers le haut. Ça, c'est un truc de putain. Life throw. Va-t-il réussir à trouver le kill sur cette phase? Peut-être que on ne voit aucun stock banane pour tuer. C'est très fort de la phase. Il fuit. Le double pari. Sans rien derrière, mais le petit qui va tuer. 161, il fallait mourir. Non. Montrez-nous. Ouais, la banane que Didi n'a pas réussi à prendre. Les joueurs qui jouent extrêmement safe. A peut-être beaucoup de stress de la part de ces joueurs. Ça court. Ouais, des balivernes qui battent Ifol. Ça met des hitbox. Un F-Smash. Et le TP qui est puni, je n'ai rien dit. Et il y a un dash attack. Assez compliqué pour le Didi. Didi Lou et As de luxe. Des rolls, triple roll. C'est passé. Non, mais t'es invincible quand tu rolls. Enfin, tu comprends, c'est invincible. Là, c'est de manière invincible. Bah oui, oui. Mais double spot dash, j'aurais pas de forme. Les dash attack sont énormément plus. Le Didi va-t-il burst toute la game? Le désavantage, ça part de là, tout peut arriver. Hein. Oh non, ah le backer qui tue. Comment ça a tué? Oh là là. Le savoir quoi tant pour eux. Tu peux questionner la D.I.V. Tout questionner. C'est 1-0, ouais. On nous voit. On nous voit, mais c'est faux. Hein. T'étais à ta peur des caméras? Je vis pas pour les caméras. Ouais, dans le micro. Ouais. Désolé. T'es là, tu parles. Mais je suis pas un caster, je suis un joueur. Oui, c'est ça. Nero, ah oui, comme elle a écrit. Dans... Nero, ah, ouais. C'est 2-R-A-W. En vrai, ça a du flow comme ça. C'est rigolo, mais ça détruit ton pseudo. Bah, c'est pas ton pseudo, quoi. Là, il y a un truc. C'est pas ça? C'est ça. Ah, si. Bon, on attend. Parce qu'ils vont super, ils ont pas. Ah oui, ils ont déjà commencé la game. Ça garde Mewtwo et Diddy Kong. Okay, Diddy Kong a confiance à son pick malgré la défaite. Ok. Double roll. Le jab qui est puni cette fois, un désavantage. Désavantage au dernier. C'est passé. C'est passé. Ouais. La TP qui l'a fait beaucoup. Le backer. Ah là, la TP n'a pas snap la ledge. Kick vers le bas, ça biffle, on peut pas prendre le ledge, c'est une mécanique du jeu idéal. Truc de ouf. Et du coup, on est mort là-dessus, c'est très triste. Hein. Mmh. Combo à la banane. La dash attack. Le père, il a faim. Il veut rattraper. 6 bags. Petit T-Max à la forme, ça voulait certainement descendre, mais ça a fait un gros T-Bag. Sinon, c'est juste pour attirer l'adversaire.
Bah ouais, c'est une double provocation. Exactement. T'es Mathionique, tu connais? Ouais. Ok, elle lève tilt. Ok, ils ont failli passer. Hein. Le smash qui est pas ici, il n'y a pas notion de risk and reward, ça tape, hein. La dash attack. Il aime beaucoup dash attack en neutral et pour l'instant. Et c'est très peu fini pour Diddy Kong. Jouer pour Diddy Kong et ne surfinir aucune dash attack en neutral, c'est très grave. Au revoir. Bonne chance. Oh là là, le père, va-t-il. Ah, et le donner qui tue vers le haut encore une fois. Ça vole des trucs. Et la TP, le F tilt, va-t-il lancer en plus sa phase? Non. Et c'est tout dans le vide, une dash attack pour finir cette banane. Elle trébuche. Encore une dash attack en neutral. Ok, la banane. Ah, la dash attack qui a encore vachement le début. Oh, il a suivi la tech chase avec le tilt. Le smash qui ne va pas passer. La dash attack qui va poke le shield. La dash attack qui passe encore une fois en neutral. Il gagne 100% sur neutral comme ça. C'est. Il les trouve. Et le désavantage, il esquive. Et encore une dash attack, que des dash attack finalement. Ok, qui n'a pas pris le smash. Et la tilt. Est-ce que As Deluxe va remonter la game? Et sa SD à 40%. Le F tilt. Toujours pas fini par ses mouvements. Il y a un jab dans le vide qui va se faire finir. Parce que ça va être la fin de la stock. Lui qui attend le mix-up en désavantage. Kela Upsco. Comment on va le poursuivre? Le F-Tilt, c'est. Oh non! Le Mewtwo qui a loupé sa réponse. Il n'a pas bougé. Il perd son jump. DFR sur le train. Bien space. Et encore une fois avec un donner vers le haut. Ok. Tant bien que mal de punir les options de l'adversaire. Ok, la dash attack encore une fois en neutral. Ce sera pas puni car un peu de dos. Et le smash qui va fuir cette stock à 180%. La banane qui sera plus. Que va-t-il nous faire le Didi? Et le Mewtwo qui récupère la banane. Mewtwo qui tente des setups. Et les dash plus par un grab. La TP pour descendre la plateforme. Le dash attack en neutral qui on l'a pris sur toutes les actions du jeu. Okay, il n'a pas tech. Il a stack contre le top fort. Le Didi qui va peut-être finir la stock sur cette phase d'avantage. Comment va-t-il sortir? Let's go. Ah. Le perd. Ok, est-ce que le Mewtwo va réussir à reverse cette game? Ah, encore une fois en désavantage, comment va se sortir le Mewtwo dans cette situation? Est-ce que c'est le dernier match? Il dit qu'il n'arrive pas à tuer. Le smash en neutral, peut-être qu'on va continuer le finish. Le jab qui met beaucoup de pourcent quand même, on rappelle 30% si on suit le début. Ah, le CD il a failli tuer hein, de l'autre bout de la map. Comment on va s'en sortir le Didi, qui va réussir à tuer en premier? Tout peut arriver, nous sommes en Smash Bros. On gagne par l'éjection, pas par les PV, il n'y a pas d'avantage concret. Les deux sont à kill pourcent. Comment va-t-on s'en sortir? Le Smash sur le shield. Une fois pas fini. Le Mewtwo qui tente des trucs. Le petit delay. Ah, il s'est pris le Smash, il a foncé dedans. 1-1 des deux côtés, une victoire pour le Didi et pour le Mewtwo. Ah bah je vais aller.
Mmh.